C'est là où on s'est rencontrés. Être là. Elle est aussi en retard. Un robot qui ne suit pas les ordres est un robot défectueux. Défectueux. Exactement depuis quand? Je ne me souviens pas bien. Depuis un moment bien précis, rien n'est allé dans mon sens dans ce monde. Jusqu'aujourd'hui, il ne fait pas exception à la règle. Bref, je me suis habitué à force. Juste que je. Bon, je n'en sais rien. Je suis plus rien. Nabi, était-ce cette usine? Monsieur, vous avez retiré la restriction cognitive, n'est-ce pas? Exact. Empêcher l'autodestruction de cette ville, voilà le scénario que j'ai conçu. Ne pas laisser les citoyens innocents de cette ville mourir à cause de ces sacs corporatistes de pacotille. Si vous comprenez, ne vous mettez plus en travers de mon chemin. Partir du réacteur a largement dépassé le seuil critique. Nous n'avons plus le temps. Je dois y aller moi-même et démanteler le cœur. Même la cour royale qui flotte au-dessus de la ville en ce moment laissera la ville tranquille si le réacteur s'arrête. Pourquoi ne sommes-nous pas tout simplement partis à la recherche de Sanabi? Si mon corps ne reste pas dans ce puits radioactif, savez-vous combien de personnes vont mourir? Bah, nous, notre corps, il va pouvoir résister à ça, non? C'est quoi ce chapeau? Êtes-vous allé voir le colonel? Attendez, vous ne l'avez pas tué quand même. Marie. Il parle vraiment de manière aussi désinvolte. Je suis ton père. Très clair, vous n'êtes pas mon père. Avec une boîte de conserve qui se fait passer pour un humain. Copie de mon père transformée en arbre. Tellement stupide. La fin était si simple. Qu'est-ce que j'essayais d'accomplir à tout prix par moi-même? Je sais que je n'ai pas vraiment le droit de dire ça. Mais je ne vous apprécie pas. Il n'y a pas moyen que je vous apprécie un jour. Alors s'il vous plaît, partez. Je ne veux pas gâcher mes larmes ou mes regrets. Sur une copie. Et là, il faut sortir la punchline. Harmonica. Papa! C'est pas si important d'aller tout au bout. Pourquoi? Tu t'es bien débrouillé cette fois, non? Pas vrai? Important, papa, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Quoi? Comment pouvais-tu ne pas connaître ça? On s'en fiche que tu aies joué jusqu'au bout. Tu amasserais toutes les notes au milieu. Juste que tu aies joué. Tu amasserais tout. Et la clé était même pas la bonne. Et sans parler du tempo. En train de me dire que je n'ai rien réussi là? Vraiment ce que j'essaie de te dire. Désolé, mais je crois que tu n'as absolument aucun talent à l'harmonica. Mais c'est pas grave, papa, tu es encore débutant. Mets du temps à apprendre à jouer avec maman. Marie. Désolé. Pourquoi es-tu désolé? Désolé pour tout. Suis sûr que tu veux faire plein de choses. Je ne suis pas un très bon père. Parfois, ta mère me manque tellement. Maman te manque. Me manque aussi. Oh non, c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est le moment triste. Je pense qu'elle nous regarde depuis là-haut. Je pense qu'elle dirait en nous observant. Sortez les mouchoirs, ça j'ai le mien pas loin.
Tu sais, papa, je crois que j'étais triste, maman me joue un morceau. Oh, putain, je crois que j'ai passé trop vite. Tu te souviens, mes filles, le membre félin de la famille? Ah, même ça avance tout seul. Quand ma fille est allée de l'autre côté de l'arc-en-ciel, j'étais tellement triste. Ah, ma fille, c'était son chat. J'ai l'impression que ma fille m'avait laissé seul au monde. Maman m'a joué cette chanson à l'époque et m'a dit ça. Chaque bonjour implique un au revoir. Et c'est pour ça que le temps passé ensemble est si précieux. Bizarrement, dès que j'entendais cette chanson, ma tristesse disparaissait comme par magie. Tu sais, papa, j'aime beaucoup jouer avec toi. Tu sais que parfois tu as honte, mais tu fais quand même de ton mieux et j'adore. C'est tout ce que je te demande de faire. Même que j'aime bien te voir piquer du nez parce que tu es tellement fatigué après avoir joué avec moi. Dans ton sommeil, j'essayais de lever ton bras chaîne. Il était si lourd. Enfin, si lourd qu'il t'a compliqué la vie, hein. Je suis désolé. Je suis sûr que tu veux juste te reposer après une dure journée de travail. Merci de jouer avec moi malgré ta fatigue. J'étais tellement heureuse lors de tous les moments passés avec toi. C'est toujours le cas. Alors papa, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu seras toujours le meilleur papa du monde pour moi. Marie. Et alors dès que tu te sens triste, tu dois me le dire, d'accord? Tu as pris, je te jouerai de l'harmonica. Comme maman le faisait pour moi. En se regardant t'entraîner la dernière fois, je me suis trouvé un rêve. Je vais devenir soldat. Un soldat invincible comme toi et je partirai à l'aventure avec toi. À l'aventure? Ouais. Ferme les yeux, imagine, papa. Tu penses, on viendra à Ali, on prendra d'assaut un château avec un ennemi terrifiant. Nous viendrons à bout de l'homme lombrique géant qui se dresse sur notre chemin. Et même qu'on rencontrera justice et qu'on prendra une photo ensemble. Et oh, impossible de battre ce monstre géant. Je veux dire, ces luttes. Ça, c'est tout ce qu'on a fait dans le jeu, en fait. Lombrique, justice, le gros méchant. J'ai vu ça à la télé, il y a des trains qui volent dans le ciel. C'est pas fou. Je veux tellement monter dans un de ces engins. Je m'enflamme toute seule, rien qu'à l'idée, non? J'aimerais vraiment avoir l'occasion un jour. Et je n'en doute pas. J'ai un bon pressentiment. Papa, peux-tu me promettre une chose? Quoi? Un jour, au cours de l'une de nos aventures, si jamais je suis triste, peux-tu me jouer de l'harmonica? Cette chanson. Sanabi. Je me la joue alors je me sentirai tout de suite mieux. Bien sûr, je ferai tout pour te rendre heureuse. Et je me fiche de ce que disent les gens, tu es le meilleur. Mais tu n'as pas le niveau pour le moment. Je joue comme ça, je vais juste être encore plus triste, compris? Je vais te rejouer Sanabi. Écoute bien et entraîne-toi, d'accord? Cette fois, c'était plutôt pas mal, non? Oh, ce magnon! Papa! Est-ce vraiment toi?
Chérie, ça a été dur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça n'a pas été du tout difficile. En fait, si, c'était tellement difficile. Tellement difficile. Même des années après, je n'arrivais pas à accepter ta mort. J'ai l'impression que si je relis ton nom, tu me répondrais quelque part. J'ai tellement peur d'aller dormir le soir. J'ai peur de rêver de toi. En plus, je rêvais et plus le temps passait. Et tu es devenu de plus en plus flou dans mes rêves. Et ta mort est devenue plus tangible. C'est ce qui était le plus effrayant. J'ai si peur que tu disparaisses complètement. La seule chose qui me serait restée aurait été cette terrible réalité. Sois bien maintenant, ma fille. Tu peux verser toutes les larmes que tu veux. Pardon, papa. C'est à cause de moi que tout est de ma faute. Tout. Tout est de ma faute. Pardon. De quoi t'excuses-tu, ma chérie? Mais simplement reconnaissant. Merci, merci d'avoir cru en moi jusqu'au bout. Non, je n'ai pas cru en toi, j'essaie de t'oublier. Pourtant, tu restes avec moi jusqu'au bout. Papa. Alors, s'il te plaît, arrête de t'excuser. Juste m'accrocher aux bons souvenirs. Papa, ne pourrait-on pas juste partir ensemble? Je vais essayer de te réparer. Marie, tu te souviens de ce que disait ta mère? Chaque bonjour implique un au revoir. Que ça te plaise ou non, nous devons finir par l'accepter. Je m'en fiche, je ne veux pas. Je me souviens de rien de tel. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre dans un monde sans toi, papa. Oh, c'est terrible. Marie. Tu sais à quel point papa t'aime, n'est-ce pas? Si la fin est la même pour tout le monde, aller jusqu'au bout n'a aucune importance. Ce qui importe réellement, c'est comment on y arrive. Hein? Où tu vas, papa? J'ai commencé tout ça, il est temps d'y mettre fin. Non, si tu vas mourir, je viens avec toi. Marie. Tu te souviens de ça? Ces tigres d'acier. Je crois qu'il n'y a plus le temps, les amis. Je t'en prie, souviens-toi de moi. Oui, d'accord. Merci, merci d'être devenu une personne si incroyable. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a bien plu. Mon commandant. Papa!
T'as un avis? Ah, c'est terrible. Terrible. Et trop triste. Manette de merde. Et du coup, comment il y a plein de trucs qui restent en suspens, quoi. Elle explose. Bah, je pense que la ville, du coup, elle a pas explosé, mais. Ouais, ça se dispute encore derrière, quoi. En fait, il y a eu le twist du jeu où on comprenait plus rien. Après, on a eu les explications des scientifiques où c'était pas clair. Et après, on a eu les explications de la gamine qui ont bien simplifié la compréhension, quoi. Justice. And you! Oui, là c'était le bunker où elle habitait. Moment le plus heureux.